Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Donc cette fois-ci, ce n'est pas une recette mais un DIY. Donc je vous propose un DIY d'un exfoliant façon Lush. Alors si vous essayez de faire le DIY, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos impressions, partager donc la photo sur Instagram. Et si vous avez aimé mes vidéos, je vous rappelle que l'ancienne c'est la recette du crumble aux pommes. Et bientôt une nouvelle recette encore plus gourmande. J'ai déjà posté une photo sur mon Instagram, donc je vous laisse deviner. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, sur ce, je vous laisse pour la recette. Alors tout d'abord, il nous faut de l'huile d'olive que vous pouvez aussi remplacer par de l'huile de coco, du miel, du sucre blanc, du sucre roux, du sucre aromatisé, du colorant alimentaire et un petit récipient. Donc tout d'abord, versez une cuillère à café de sucre blanc. Puis une demi-cuillère à café de sucre roux, une demi-cuillère à café d'huile d'olive, et toujours pareil, une demi-cuillère à café de miel. Vous pouvez en ajouter plus si vous voulez une texture un peu plus onctueuse. Vous pouvez également, comme je l'ai fait, ajouter une petite goutte de colorant, ce qui m'a donné vraiment une couleur sympa. Voilà le résultat. Donc une fois que le mélange est terminé, on va simplement le rajouter dans le petit récipient. Pensez à bien tasser pour ajouter le maximum de produits dans le récipient. Et voilà le résultat. Vous pouvez le garder au frigo et le sortir un peu avant pour l'utiliser. J'ai également testé la version avec le sucre barbapapa à la place du sucre roux. Et ça m'a donné cette jolie couleur pêche. Donc je vous avoue que le goût n'était pas très fort, je vous conseille donc d'utiliser de l'arôme alimentaire. Et voilà, j'espère que ce DIY vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.